Notre thème de ce matin s'intitule Avantage d'être serviteur qui s'attache à l'Éternel. Avantage d'être serviteur qui s'attache à l'Éternel. Les avantages d'être serviteur qui s'attache à l'Éternel. Il faut aussi dire avantage d'être serviteur qui lui est attaché. Avantage d'être serviteur qui lui est attaché ou avantage d'être serviteur qui s'attache à l'Éternel. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 7. Luc 7, verset 2 et 3. Puis le verset 10. Luc chapitre 7, verset 2, 3 et 10. Nous avons dit que notre thème s'intitule Avantage d'être serviteur qui lui est attaché ou bien avantage d'être serviteur qui s'attache à l'Éternel. Par définition, l'avantage, c'est un bénéfice, un profit, une faveur, une utilité, un gain, un intérêt. Et un serviteur, c'est celui qui est au service d'une autre personne ou bien d'une collectivité. C'est lui qui se dévoue avec attachement pour un service. Et attacher ou bien s'attacher, c'est joindre, lier à quelqu'un ou à quelque chose de façon durable. Faire dépendre d'eux. Intéresser vivement, s'impliquer vivement, accrocher, fixer, lier. Donc, s'attacher, c'est s'accrocher, c'est se fixer, c'est se lier, c'est se joindre à quelqu'un ou à quelque chose, s'intéresser vivement à cette personne. Dans le livre de Luc, on vient de voir les centeniers romains qui avaient un serviteur qui lui était attaché, qui lui était lié, qui lui était accroché. Ce centenier, c'était un chef de l'armée, il était un capitaine. Il dirigeait, il avait des troupes qui lui conduisaient. Mais il avait une personne qui lui était trop attachée. Bien aimé, être attaché à quelqu'un ou être attaché à Dieu, c'est quelque chose de très important et ça a des grands avantages. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, mais tu n'es pas attaché à Jésus. Tu ne peux pas dire que tu es membre d'une église, mais tu n'es pas attaché à ton église. Tu ne peux pas dire que tu es membre d'une famille, mais tu n'es pas attaché à ta famille non plus. Tu es maman, tu es papa, tu dis que je suis mariée, mais tu n'es pas attaché à ton mari, tu n'es pas attaché à ta femme. C'est qu'il n'y a pas de mariage. Tu ne peux pas dire que tu es étudiant, mais tu n'es pas attaché non plus à tes études. Être attaché, c'est un mot capital dans la vie, dans ton voisin, c'est un mot capital. Dans la vie, c'est un mot qui demande un engagement. Ça demande le dévouement de quelqu'un et la confiance de quelqu'un. Et étant des chrétiens, nous devons être attachés à ce Jésus à qui nous avions cru. Nous avions dit que cette année, c'est une année de nouveau départ. Si on dit un nouveau départ, c'est que quelque part, nous avons peut-être mal fait les choses, mais nous voulons commencer à bien faire les choses. Si nous n'étions pas attachés à Jésus à 100%, nous voulons à ce que cette année, on s'attache encore davantage. Si on se disait chrétien, mais un chrétien provisoire, chrétien temporaire, chrétien partiel. Et si tu attendais toujours, on te dit, tiens, travaille, oui, je travaille, à temps plein, à temps partiel. Les temps partiels sont les plus privilégiés, alléluia. Aussi, oh, à Dieu, à notre Seigneur, nous devons être attachés à temps plein à 100%. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu l'aimes à moitié. Tu aimes Dieu à 20%, à 40%, à 50%. Non. Donc tu ne l'aimes pas. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Quelqu'un à qui on s'attache, on lui privilège. On lui donne la position. On le considère. On lui fait confiance. Cet homme, il était chef de l'armée. Il avait des gens qu'il dirigeait. Mais il avait un serviteur à qui il était très attaché. Ce serviteur lui était très attaché. Il était attaché à son maître à tel point que le maître l'a fait beaucoup confiance. Et à un certain moment, ce serviteur est devenu malade. La Bible déclare, quand il était devenu malade, le chef a été troublé. Pourquoi? Pourtant, il avait d'autres serviteurs. Même quand il peut continuer un peu plus bas dans ces passages, tu verras que quand il a dit à Jésus, ordonne à ce que mon serviteur soit guéri.
Jésus a dit que il a demandé à ce que Jésus puisse aller guérir son serviteur. Le titre n'est pas de déplacer, dit seulement un mot. Moi, je suis chef. Je dis, je donne des ordres à mes gens. Je dis à l'un, va à gauche, il va à droite, il va. Combien plus forte raison, toi qui es le Seigneur, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Alléluia. C'est qu'il avait d'autres serviteurs qui étaient aussi quand même, qu'il considérait qu'il obéissait aussi. Mais celui-là était spécial, dites spécial. Quelqu'un qui est attaché à toi, un ami qui est attaché à toi, une relation qui t'est vraiment chère, qui t'est vraiment attachée. Bien aimé, c'est quelque chose d'important qu'il ne faut jamais accepter de perdre dans la vie. Quand il y a une personne de confiance dans ta vie, une personne qui se dévoue pour toi à 100%, il ne faut jamais négliger cette personne-là. Et Dieu est notre personne numéro un que nous devons considérer parce que jamais il nous a laissé tomber. Il ne nous abandonne jamais. La Bible dit qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Les hommes peuvent te laisser dans la détresse, mais Dieu ne peut jamais te laisser dans la détresse. Cet homme avait son employeur. Peut-être qu'il avait des secrets qu'il avait déjà seulement confiés à cet homme-là. Il avait des mots de passe qu'il avait déjà donné seulement à cet homme-là. Il avait des travaux qu'il avait déjà confiés seulement à cet homme-là. Et cet homme-là le faisait parfaitement bien. Il était obéissant. Il était confiant. Il était quelqu'un de confiance à qui on pouvait compter. Même si je ne suis pas là, si lui il est là, tout va bien aller. Même si j'ai oublié quelque chose, lui va bien le faire. Même si je ne sais pas faire quelque chose, lui peut s'arranger pour bien le faire à ma place, à mon honneur. Il a dit, je peux faire de tous les autres, mais pas celui-ci. Alléluia. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé à ce que Jésus-Christ te considère plus que tous? Alléluia. Quand la Bible déclare qu'il y avait un berger qui avait 99% brebis, et il avait perdu une seule brebis, il a laissé 99 pour aller chercher une brebis, vous pensez que c'était quelque chose de brebis. C'était la brebis la plus trouble là. Alléluia. Est-ce que vous pensez que c'était la brebis la plus trouble? Peut-être que c'était la brebis qui produisait beaucoup, qui mettait pas tout, presque tout le temps, et qui était obéissante tout le temps. C'était la plus bonne de ces brebis. Il a dit, avec celui-ci, je pourrais encore repartir à zéro et je vais arriver. Mais avec les autres qui me restent ici, il me faut le mot de tête. Alléluia. Il y a de ces gens-là qui peuvent être une tête qui vaut mieux que 99 têtes. Alléluia. Et c'est toi. Alléluia. Je dis bien, et je répète. Il y a de ces gens-là qui peuvent valoir plus que 99 personnes. Tu peux avoir 100 personnes, mais il y a une seule personne qui vaut 99 personnes que tu ne pourras jamais vouloir perdre dans ta vie. Et cette personne-là qui est plus importante, c'est toi. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Dis à ton voisin, j'ai du prix. Alléluia. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Si tu y es attaché, tu es considéré, tu as du prix à ses yeux. Si tu y es attaché, tu lui fais confiance. Lui aussi te fera confiance. Et il sera toujours avec toi. Il sera prêt à faire n'importe quoi pour toi. Parce que tu lui es trop attaché. Il faut que nous puissions être trop attachés à Jésus. Ne pas être trop attachés au matériel. Il y en a des gens qui sont trop attachés à leurs autos. Trop attachés à leur argent. Trop attachés à leurs enfants. Trop attachés à leur mari. Mais moins attachés à Jésus. Laisse-moi te parler aujourd'hui. Jésus, en t'attachant à Jésus, lui il est capable de régler toutes les autres affaires que tu pourras avoir. Si tu lui donnes la considération, il va aussi te donner la considération. Amen. Alléluia. Quand les disciples commençaient à être combattus dans l'église primitive, l'apôtre Paul avait parlé un jour. L'apôtre Pierre, il a dit, est-ce qu'il faudra-t-il que nous puissions nous obéir ou bien obéir à Dieu? Alléluia. Des fois nous aimons obéir aux hommes plutôt que d'obéir à qui? À Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Dis à ton voisin, j'ai du prix. Alléluia. Amen. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Si tu y es attaché, tu es considéré, tu as du prix à ses yeux. Si tu y es attaché, tu lui fais confiance. Lui aussi te fera confiance. Et il sera toujours avec toi. Il sera prêt à faire n'importe quoi pour toi. Parce que tu lui es trop attaché. Il faut que nous puissions être trop attachés à Jésus. Ne pas être trop attachés au matériel. Il y en a des gens qui sont trop attachés à leurs autos, trop attachés à leur argent, trop attachés à leurs enfants, trop attachés à leur mari, mais moins attachés à Jésus. Laisse-moi te parler aujourd'hui. Laisse à ceux qui sont trop attachés à Jésus, plus qu'à tous, au nom puissant de Jésus. En t'attachant à Jésus, lui il est capable de régler toutes les autres affaires que tu pourras avoir. Si tu lui donnes la considération, il va aussi te donner la considération. Amen. Alléluia.
Quand les disciples commençaient à être combattus dans l'église primitive, l'apôtre Paul avait parlé un jour. L'apôtre Pierre, il a dit, est-ce qu'il faudra-t-il que nous puissions nous obéir ou bien obéir à Dieu? Alléluia! Des fois, nous aimons obéir aux hommes plutôt que d'obéir à qui? À Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Notre frère, pasteur Mario, a témoigné, il a dit quoi? Par l'obéissance, il est parti. S'il n'était pas parti, il n'allait pas trouver cet argent. Alléluia! Il ne serait pas béni, il n'aurait pas payé ses dettes. Mais en obéissant, il est parti. Parce qu'il a aussi, il partait aussi à la prière. Amen! Il n'allait pas seulement au restaurant, mais il s'allait à la prière. Bien qu'ici encore, c'était la fin de la prière, mais comme c'est son ami qui devait le transporter, il lui donnait du lait et il dit, je pars. Il a dit, bon, par l'obéissance, Dieu lui a dit, suivez-le. Il a entendu Dieu lui parler. Dans le nouveau départ, nous avons regardé les derniers mots, nous avons dit quoi? Il faut toujours marcher avec qui? Avec Dieu. Nous avons aussi parlé de quoi? Il faut toujours écouter Dieu. Voir Dieu et écouter Dieu. Ce que Dieu te dit de faire, fais-le. À chaque chose que tu fais, étant une personne qui s'attache à Dieu, sois obéissante à Dieu. Ses serviteurs, il était mourant, il était au point de mourir. On attendait à ce qu'il meure, on attendait à ce qu'il finisse. Mais ses serviteurs ici, lui-même avait déjà perdu l'espoir. Il ne savait même pas où était parti son patron. Son patron est parti à la recherche de Jésus. Alléluia. Quel est ce patron qui va laisser sa maison pour aller chercher les secours pour son domestique? Quel est ce patron-là? C'est que ce domestique-là, il était vraiment important. C'est comme Eliezer de Damas dans la maison d'Abraham. Eliezer de Damas avait du prix, à tel point que Abraham disait que je m'en vais mourir sans enfant, c'est Eliezer de Damas qui va faire quoi? Qui va hériter de mon héritage. Il lui était très trop attaché. Mais pour aller marier la femme pour son fils Isaac, il a envoyé qui? Eliezer. Il n'a pas envoyé d'autres serviteurs. Parce qu'il avait confiance à Eliezer. Il a dit que Eliezer fera un bon choix pour mon fils. Il ne peut pas amener mon fils n'importe quoi. Il va amener la bonne qualité. Alléluia. Est-ce que toi, Dieu te fait confiance à ce niveau? Il faut que nous puissions arriver au niveau où Dieu nous fait confiance, même si il dit que non, même s'il n'y a personne, je sais que la personne est là, elle va faire. Je sais que je peux compter sur elle. Je sais que je peux compter sur elle parce que elle, je lui fais confiance. Alléluia. Est-ce que Dieu te fait confiance à ce niveau? Est-ce que Dieu te fait confiance à ce niveau? Cet homme a laissé sa maison, mais il est parti à la recherche de Jésus pour venir guérir qui? Son serviteur. Laisse à ce que Dieu te donne beaucoup plus du poids et te donne une bonne place dans son cœur à ce qu'il puisse faire n'importe quoi pour toi. Alléluia! Tu sais, quand il y a une personne que tu fais, à qui tu fais beaucoup plus confiance, tu as toujours dit quoi? Tu peux me demander tout. Je suis prêt à faire tout pour toi. Tout ce qui est à ma possibilité, à ma capacité, je peux le faire pour toi. Pourquoi? Parce que tu aimes cette personne, parce que tu lui fais confiance, parce qu'il est attaché. Alléluia! Il t'est attaché. Est-ce que nous aussi sommes attachés à Jésus, à tel point que Jésus-Christ dit que non, je suis prêt à vous faire n'importe quoi. Pour vous, je suis prêt à tout. D'abord, il était prêt à tout faire, même à sacrifier sa vie sur la croix pour nous donner la vie, pour nous sauver. Regardez le sacrifice de Jésus. Est-ce que nous aussi, nous nous attachons à lui? Dieu a parlé aux enfants d'Israël dans le livre de Deutéronome. Il dit aux enfants d'Israël, si vous vous attachez à moi, je serai votre Dieu. Alléluia. Quand il t'attache à Dieu, il est aussi ton Dieu. En t'attachant à l'Éternel, tu ne manqueras jamais la bénédiction. C'est pourquoi nous avons dit les avantages qui en découlent. En s'attachant à Dieu, il y a toujours des bénéfices, il y a des intérêts, il y a des gains, il y a des choses à gagner. Tu ne perds pas. Tu ne perds pas ton temps. N'importe quoi, c'est des futilités. C'est aller à l'église, c'est perdre le temps inutilement. Ce sont les gens qui manquent quoi faire qui vont à l'église. Laisse-moi te dire, ils se trompent. On ne manque pas quoi faire pour venir à l'église. Alléluia. C'est pas attachement à qui? À notre Dieu. Nous savons que si nous vivons, c'est grâce à lui. Si nous respirons, c'est grâce à lui. Si nous travaillons, c'est grâce à lui. Si nous étudions, c'est grâce à lui. Si nous sommes mariés, c'est grâce à lui. Si nous avons des enfants, c'est grâce à lui. Si nous avons l'argent, c'est grâce à lui. Si tu as une auto, c'est tout ce que tu as, même les vêtements que tu as, c'est seulement grâce à lui. Qu'est-ce que tu peux lui donner en échange? Seulement s'attacher, lui montrer l'amour. Alléluia. Témoigne-lui l'amour de ton cœur. Montre-lui combien il compte pour toi. Montre-lui combien tu l'apprécies. Montre-lui combien tu peux le glorifier. Quand il faut l'adorer, adore-le.
fâché. Il faut arriver au niveau d'adorer Dieu jusqu'à ce que le diable soit fâché. Yeah. Alléluia. Est-ce que tu as déjà dansé pour Dieu jusqu'à ce que le démon se fâche? Amen. En t'attachant, tu vas sentir combien c'est agréable. Amen. En s'attachant à Dieu, tu sauras combien ça tu pries. Cet homme avait du prix. Le boss a regardé, a dit, je peux perdre tous les employés que j'ai. Je peux perdre tous les serviteurs que j'ai, mais pas celui-ci. Celui-ci connaît le secret de ma maison. Si même aujourd'hui je ne suis pas là, il pourra gérer ma maison. Si je ne suis pas là, il pourra gérer mes enfants. Il pourra gérer ma richesse. Si je ne suis pas là, il pourra bien faire les choses pourront bien marcher. Si aujourd'hui je deviens même handicapé, il y a quelqu'un qui pourra me remplacer. Il était trop attaché au chef. À chaque instant, il pouvait même sortir et regarder, chef, ça va? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Le chef a senti que non, j'avais quelqu'un. Laisse à ce que Jésus sente qu'il a quelqu'un à travers de toi. Qu'il sente qu'il y a quelqu'un sur qui il peut compter. Une personne qui lui pourra envoyer à Sherbrooke. Une personne qui pourra envoyer dans ta famille pour prêcher l'évangile dans ta famille. Une personne qui pourra prier pour la famille. Une personne qui pourra intercéder pour la famille. Une personne qui pourra contribuer pour la famille. Une personne qui pourra donner aussi de sa contribution, même financière, dans la famille. Qui pourra faire des quoi dans la maison. Qui pourra faire des quoi dans l'église. Quelqu'un à qui tu fais confiance. Alléluia. Dieu a dit aux enfants d'Israël, tous ceux qui se sont confiés à moi, qui se sont attachés à moi, sont restés vivants. Mais ceux-là qui ne se sont pas attachés sont morts dans ces déserts. Ils ne vont pas entrer dans les pays de Canaan. Tous ceux qui s'attachent à Dieu ne seront jamais confus. Ils ne pourront pas périr quand les autres pourront arriver à se perdre ou à mourir. Dieu fera tout pour arriver à vous encadrer, à vous sauver et à vous amener dans la destinée parce que vous étiez attachés à lui. Même dans les temps difficiles, Dieu veillera sur vous parce qu'il sait que vous lui avez fait confiance. Lui aussi, il veillera sur vous. Laisse à ce que tu fasses confiance à 100% à Jésus. Même si tu vas chercher un emploi, il peut avoir 10 000 candidats, mais on cherche deux personnes. Dieu pourra faire en sorte que dans les deux personnes, toi, tu sois élu parce que toi, tu lui es attaché. Dieu pourra te distinguer. La distinction appartient à ceux-là qui s'attachent à l'Éternel. Alléluia. On peut s'attacher avec notre cœur, avec notre âme, de tout notre corps, notre âme, notre esprit. On s'attache à l'Éternel. Il y a des avantages, il y a du prix à s'attacher à l'Éternel. Il y a du prix. Cet homme ne savait pas qu'il pourrait encore sortir de son lit. Le patron est parti chercher la guérison plus loin. Rendu là où il était parti chercher la solution, comme le patron aussi il était bon, il a demandé aux anciens des Juifs parce qu'il ne lui avait pas le droit d'aller raconter Jésus facilement. Les anciens lui ont dit que non, ils sont venus dire à Jésus, il les mérite parce que lui il a construit même notre temple. Cet homme-là avait des valeurs aussi. Lui aussi il était attaché à Dieu intrinsèquement. Alléluia. Il était trop attaché à Jésus. Et quand Jésus a entendu ça, il a dit que voici quelqu'un. À l'Israël, je n'ai jamais entendu des gens des fois comme celui-ci. Il avait la foi en action, pas seulement en parole. Sa foi s'agissait. Laisse à ce que ta foi agisse au nom de Jésus. En t'attachant à l'Éternel, fais preuve de ta foi par des gestes et des actes qui témoignent que tu aimes Jésus. Montre-lui que tu l'aimes vraiment et que tu t'attaches à lui, que tu lui fais confiance. Et Jésus-Christ a dit que ton serviteur soit guéri. Là où même il était, quand il est rentré, on lui a dit que non, ton serviteur est déjà levé, il est déjà guéri. Ses serviteurs ne savaient pas qu'il pourrait être guéri à cause de s'attacher au patron. En s'attachant dans une relation, il y a des bénéfices à récolter. Il y en a des gens-là qui ne savent pas soigner les relations. Tu arrives à une personne à côté de toi, tu la considères comme des pourritures. Tu ne sais pas qu'un jour cette personne pourra encore être vraiment très bénéfique. Tu as une personne qui t'aide, mais tu ne vois même pas ça, tu penses que c'est un droit. Ce n'est pas un droit. C'est seulement une grâce que Dieu t'a apportée, cette bonne personne. Il faut que tu arrives à respecter cette personne. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui perdent des personnes et ils regrettent après qu'ils vont se rendre compte qu'ils avaient des perles avec eux. Ils considèrent comme c'était des torchons, mais qu'ils avaient des perles entre les mains. Ils ont déjà perdu. C'est alors qu'ils se rendent compte qu'ils avaient des bonnes personnes. Soigne tes très bonnes relations. Alléluia. Parle à ton voisin qui lui soigne tes bonnes relations au nom de Jésus. Si tu ne sais pas soigner, tu vas perdre ce que tu avais déjà dans le monde. Si tu ne sais pas soigner. On te reproche ceci. Ah non, moi tu t'en fous. Tu t'en fous là. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de perdre. On te donne des conseils aujourd'hui. Ah, je m'en fous. Mon père ne m'avait jamais dit ça. D'ailleurs, toi, tu n'es même pas.
tu te perds quelque chose de gros. Ceux qui ne savent pas s'attacher à une relation, ils perdent de gros. Dis à ton voisin, ne perds pas gros. Beaucoup de gens arrivent à perdre de gros parce qu'ils ne se sont pas attachés comme il fallait. Ils n'ont pas considéré la bénédiction que Dieu leur avait donnée. Ils n'ont pas mis en considération la grâce que Dieu leur avait donnée, la faveur que Dieu leur avait donnée. C'est seulement en ayant perdu ça qu'ils vont se rendre compte que non, j'avais quelque chose d'important, j'ai perdu gros. Cet homme, il s'était attaché sans intérêt. Il ne savait pas. Il savait que c'était le boss. Mais il faisait seulement les choses comme il fallait et il s'attachait beaucoup au boss par rapport à d'autres serviteurs. Mais le boss, ça l'avait touché. Il avait impressionné le boss. Jusqu'à ce que le boss a dit que non. La maladie, c'est cette personne, je ne vais même pas le voir mourir. Il faut qu'il guérisse. Seigneur, il est où? Il a commencé à écouter où est-ce qu'il s'est trouvé Jésus. Et lui-même, il est parti. Il n'a pas envoyé un serviteur. Lui-même est parti chercher Jésus. Alléluia. L'importance de s'attacher. Tu peux même arriver à gagner la vie. Amen. En s'attachant à Jésus, en s'attachant peut-être à un ami qui est fidèle aussi à Jésus, bien aimé, tu peux garder même ta propre vie. On peut organiser un coup contre toi. On peut organiser de te mettre du poison ou bien de t'assassiner. Si tu as du prix aux yeux de la personne qui a écouté l'information, il pourra te faire échapper parce que tu avais du prix à ses yeux. Mais si tu n'avais pas du prix à ses yeux, il te laissera partir. Alléluia. En s'attachant à quelqu'un, en s'attachant à Jésus, tu pourras arriver à sortir de la mort à la vie. La vie est à quoi? Jésus est venu donner la vie et la vie à quoi? En abondance. Quand tu t'attaches à Jésus, tu auras la vie à quoi? En abondance. Premier avantage. Alléluia. Premier avantage de s'attacher à Jésus, c'est avoir la vie en abondance. Même dans une relation, quand tu es en bonne relation avec une personne, tu... Deuxième avantage. Avoir la confiance du maître. Dans le livre de Luc, chapitre 7, les versets 1 à 3 et 10, là, on voit que cet homme, il avait la confiance de son maître. Son maître lui faisait tellement confiance. Donc tu vas avoir la confiance du maître, jusqu'à la prière de l'obtention de la vie. Avoir une place d'honneur dans le cœur du maître. Avoir confiance du maître et avoir une place d'honneur dans le cœur de qui? Du maître, deuxième avantage. Une place de confiance dans le cœur du maître. Il faut à ce que nous puissions avoir une place considérable dans le cœur de Jésus. Cet homme, il avait la place dans le cœur de son maître. Son maître est parti chercher Jésus. Et cet homme aussi a trouvé la place dans le cœur de qui? De Jésus. Parce qu'on a témoigné de lui. Ce n'était pas lui-même qui a témoigné. Il a dit que moi j'ai construit. Les gens ont témoigné de lui. Ils ont dit quoi? Lui, il a construit le temple. Alléluia. En ayant construit le temple, il a trouvé sa la place dans le cœur de qui? De Jésus. En faisant, en s'attachant, on reçoit la place d'honneur dans le cœur du maître. Et le maître nous fait confiance. Amen. Troisième avantage, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et toutes il chassera devant vous toutes ces nations et vous rendra maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Ça, c'est dans le livre de Deutéronome, au chapitre 11, les versets 22 à 25. Donc, en s'attachant à Dieu, Dieu aussi te donnera la capacité de devenir maître des nations plus grandes que toi. Il chassera des nations plus grandes que toi au devant de toi. Les démons qui te combattent, les sorciers qui t'attaquent, tu vas devenir maître de eux parce que toi tu t'es attaché à qui? À l'Éternel. Attachons-nous à l'Éternel parce que nous avons intérêt. Bien aimé, quelque chose que tu n'as pas intérêt, il ne faut pas le faire. Même dans les business, s'il n'y a pas d'intérêt, ne le fais pas. Même pour venir à l'église, s'il n'y a pas d'intérêt, ne viens pas. Alléluia. Même pour croire, nous ne croyons pas à l'intérêt. Je vais te dire une chose. Est-ce que toi tu viens ici, sachant que tu vas aller en enfer? Tu viens ici pourquoi? Parce que tu vas aller au ciel. Il y a un intérêt. On ne croit pas pour rien. Je crois en Jésus parce que je vais aller au ciel. Je crois en Jésus parce qu'il va combattre pour moi. Je crois en Jésus parce qu'il va pourvoir à mes besoins. Je crois en Jésus parce qu'il vient sur ma famille. Il y a des intérêts. Et laisse-moi te dire, dans cette vie, mais quand tu as une personne avec toi à qui tu n'as pas d'intérêt, lui te profite. Toi, tu ne profites rien. Ça, c'est une autre amitié, ça. Ça, il faut laisser tomber.
Toi, tu pries pour lui, lui vient te chicaner. Toi, tu donnes des cadeaux, il ne te donne pas des cadeaux. Des fois, il te donne des injures. Ça, c'est quelle amitié, ça? Alléluia. Pas d'intérêt. Tu ne grandis rien, tu ne progresses pas. À l'école, tu t'attaches à quelqu'un qui lui, il fait s'absenter, il vient toujours avec des drogues, il commence à te parler de la drogue, il te parle de l'ambiance, des débats, il ne te donne rien de bon. Quel intérêt? Quelle amitié? Oh, je vais les gagner. Tu vas les gagner? Alléluia! La Bible même déclare quoi? Sortez du milieu d'eux. Mais toi, tu veux t'approcher du milieu d'eux. Quand au moins ils t'écoutent, tu sais, au moins, j'ai intérêt. Je peux lui parler, il m'écoute quand je parle. Et il fait ce que je demande comme conseil. Je lui donne des conseils, il écoute mes conseils. Ça vaut la peine, il y a un intérêt. Donc tu peux arriver à gagner. Mais quelqu'un qui ne t'écoute pas, qui te contredit tout le temps, quel intérêt? Alléluia! Il faut s'attacher. En s'attachant à Dieu, il chassera les nations au-devant de nous. Et il nous donnera des nations beaucoup plus puissantes que nous. Il va nous donner leur territoire en possession. Les démons qui te combattaient, tu deviendras plus puissant que ces démons-là. Même s'ils étaient nombreux, que les sorciers-là qui t'attaquaient, tu vas avoir l'autorité sur eux. Parce que toi, celui qui est en toi, est plus grand que celui qui est dans le monde. À qui tu t'attaches, il est en toi. Il devient plus fort. Il te rend aussi plus fort. Et tu deviens plus fort que ceux qui sont dans le monde. Alors, il faut s'attacher à Jésus pour qu'il devienne une seule personne avec lui. En étant devenu une seule personne avec lui, tu pourras aussi gagner le monde. Tu pourras aussi gagner ceux qui te combattaient. Et tu pourras vaincre tes ennemis. Il chassera ces nations devant de toi et tu les vaincras. Alléluia. Tu n'arrives pas à vaincre peut-être parce que tu n'es pas trop attaché. Il faut s'attacher. Dis à ton voisin, attache-toi. On nous dit encore, ta frontière s'étendra. Quand tu t'attaches à Dieu, un autre avantage, ta frontière va s'étendre. Tu seras plus limité. Alléluia. Que ce soit à l'est, que ce soit à l'ouest, que ce soit au nord, que ce soit au sud, en arrière comme au devant, de gauche à droite, tu vas toujours t'élargir. Partout où tu iras, tu t'étendras. Tu étendras tes ailes. Tu pourras aller plus loin. Tu pourras t'agrandir. Tu pourras trouver de la faveur. Tu pourras encore te développer. Tu pourras encore t'extendre. Parce que Dieu est avec toi, vu que toi tu t'es attaché à lui. Alléluia. Il y a des intérêts. Il y a l'avantage en s'attachant à Dieu. Tu pourras t'étendre. Dieu va essayer de plus t'étendre au nom de Jésus. Tu avais toujours des cas de 60%, des A, des D ou des C plus. Maintenant, Dieu veut que tu puisses arriver à A plus. Il va te faire monter. Il ne va pas te limiter. Ta bénédiction ne sera pas limitée quand toi tu t'attacheras à l'Éternel. Ta bénédiction ne sera pas limitée, que personne ne te trompe. On peut te secouer dans un moment, mais laisse-moi te dire que ce sont seulement des challenges où tu es en train de te chauffer, de t'entraîner. Et tu vas arriver au niveau de t'extendre. Si tu t'attaches à Dieu, si tu comprends les secrets de t'attacher à Dieu, tu deviendras beaucoup plus grand. Tu vas t'étendre de gauche à droite et tu auras toujours raison. Et tu vas gagner des territoires. Ceux qui te combattaient vont commencer à avoir peur au devant de toi. Ceux qui t'attaquaient vont commencer à avoir de la frayeur en ta présence. Quand tu arrives, ils commencent à trembler. Parce que toi, tu n'es plus n'importe qui. Ta frontière va s'étendre, sera illimitée. Amen. Tout lieu foulera la plante de tes pieds et Dieu te la donnera. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, tout ça, c'est toujours dans les Deutéronome 11, 25, 22, 25. Partout où tu arriveras, là où tu mettras ton pied, Dieu va te donner cet endroit en possession. Dans la classe où tu es arrivé, Dieu te donne la possession de cette classe au nom de Jésus. Dans l'entreprise où tu entres pour travailler, Dieu te donne cette entreprise en possession au nom de Jésus. Dans les pays où tu es arrivé, Dieu te donne ce pays-là en possession au nom de Jésus. C'est pourquoi tu pourras aller même en Inde, tu pourras aller même en Chine. Si tu es avec Dieu, Dieu te donnera la Chine en possession. C'est la Chine qui va se soumettre à toi, c'est pas toi qui vas se soumettre à la Chine. Alléluia, tu vas dominer là-bas. Tu pourras dominer les gens de là-bas. Et les esprits de là-bas, tu pourras aussi les dominer. Et tu fouleras, quand tu fous tes pieds, tu fous aussi les démons sous tes pieds. Partout où tu vas arriver, Dieu va te donner la victoire. Tu arrives dans une salle de classe, Dieu te donne toute cette classe-là en possession. Même les professeurs et les autres étudiants, ils sont sous ton contrôle. C'est toi qui contrôles. Et là où tu es arrivé, tu entres dans un autobus. Cet autobus-là est sous ton contrôle. Alléluia. Il n'y aura pas d'accident ou bien pas de crash dans un avion parce que toi tu es dedans.
Tout ce que tout lieu foulera la plante de tes pieds, Dieu te donnera. Tout lieu. Ne dis pas, oh non, en Inde, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de démons là-bas, il y a beaucoup de la sorcellerie. Quand tu arrives en Inde, si c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas, ces démons de la Inde se soumettent à toi. Jusqu'à ce que tu vas sortir. Alléluia. Et tu sortiras tête haute. Tu arrives dans un endroit où les gens, ils sont compliqués, ils sont très méchants. Ces gens-là vont se soumettre à toi. Je vous avais donné mon témoignage quand nous sommes arrivés à Guatemala pour la première fois. La première fois, vous êtes devenus avoir une campagne d'évangélisation. Les démons de là-bas m'ont parlé à Lingala. Là-bas, ils parlent de l'espagnol. Mais les démons m'ont parlé à Lingala. Alléluia. Et ils m'ont dit, si tu n'as pas mangé, tu n'es pas rassasié, ne viens pas jouer ici. Ce n'est pas de la choc ici. Et moi, je les ai répondu à Lingala. J'ai dit, j'ai bien mangé et je suis bien rassasié. Je vais aussi. Alléluia. J'ai marché avec les présides quoi. Tout lieu voulait la part de mes pieds, de mes dons, jusqu'à quoi en possession. Quand nous sommes arrivés, là c'était le jour où la campagne devait commencer. Les pasteurs m'ont regardé, j'avais les yeux gonflés, les lèvres gonflées. C'était pas la grippe, c'était pas la malaria, c'était une attaque démoniaque terrible. Je ne pouvais pas me lever, j'étais au lit. Le matin, je ne sentais même pas dans mon corps. Je ne pouvais même pas lever la main, je ne pouvais même pas bouger les pieds. Je ne sentais plus mes pieds. Je ne pouvais plus le commander. J'étais au lit. Martin qui me dit, moi, j'attendais, mais je ne pouvais pas parler. J'ai fait seulement comme ça. Mais si, elle pensait que c'était le sommeil, ce n'était pas le sommeil. J'avais même besoin qu'elle prie pour moi. Mais à ce moment-là, j'étais en train de parler avec les démons. Ils me parlent, je les écoute. Et je me réponds. À 14h, Dieu me dit, descends. J'étais en chambre, en haut. Et descendre, c'est sortir dehors. Sur des escaliers et ces escaliers là les gardes fous la question ça bougeait. Je dois descendre pour aller me laver en bas et pour remonter pour aller m'habiller en haut. J'ai trouvé comme si c'était sorti de Guatemala jusqu'à Chebouk à pied. C'était rendu loin et très difficile. Je suis descendu. Je me suis lavé, on m'avait mis mes petits escabeaux là-bas pour que je me lave dans la salle de bain. Quand j'ai fini de me laver, je remonte. Je voyais que c'était comme si c'était allé au ciel maintenant. À pied. J'ai remonté encore la rampe. C'était difficile. Je me suis habillée. J'avais besoin même qu'on m'habille. Mais je me suis forcée, je me suis habillée. Le pasteur m'a regardé quand j'ai descendu les escaliers. Il m'a regardé. Moi, Martin m'a regardé. Il a dit mais mon pasteur, je la connais. Il faut quand même y arriver. Le pasteur m'a dit parler avec Martin. Il a dit je vois comme si il ne peut pas. On devait faire 5 jours. On avait réduit à 3 jours. Mais les 3 jours, est-ce que je pourrais même tenir un jour? Quand nous sommes arrivés là-bas, moi qui ai la louange, ça jouait tellement, je suis assise, je ne me sentais pas, je sentais comme si c'était quelque chose qui était en train de me battre, de fourmiller dans mes pieds, dans mes mains. Ça ne marchait pas, je n'avais pas la force de me lever. Quand je suis levé, j'ai dit, comme ils m'ont parlé à Lingala, je vais chanter à Lingala aujourd'hui. J'ai chanté une chanson d'adoration à Lingala. Je tenais le podium, l'autel en question. J'ai commencé à chanter. Quand je suis rentré dans le refrain, j'ai lâché. Donc, je suis sorti d'en haut, il m'a traversé, j'ai senti le feu, ça m'a traversé. C'était parti. Là, j'ai dit, les démons, vous avez menti. Là, j'ai commencé. Alléluia. Celui qui s'attache à l'éternel, tout lieu foulera la main de tes pieds, Dieu te donnera possession. J'ai fait une forte prière. J'ai arrêté les démons de cet endroit. Je les ai défiés. Et j'ai commencé à prêcher. Il fallait voir. Alléluia. Dieu s'est glorifié. Le lendemain, Dieu s'est manifesté encore. Et le troisième jour, les gens étaient surpris. Ils sont, le terrain était rempli. Les gens ne voulaient pas partir. Nous avons quitté là-bas à 1h du matin. Qu'on a quitté l'endroit. On commençait à 19h. Ce jour-là, on a terminé à minuit. On a coupé même. Les gens ne voulaient pas partir. Tout le monde voulait qu'on puisse prier pour eux. Parce que le deuxième jour, Dieu avait guéri quelqu'un. Une sourde douette avait parlé, avait entendu. Et c'était le miracle. Ça circulait dans tout le village. Les gens ont dit, bah, waouh, on va aller voir cette madame. Ceux qui venaient même tenter, ceux qui venaient même aussi voir Dieu, tous étaient là. Mais nous savons une chose, tous les vulnérables de nos pieds, Dieu nous donnera quoi? En possession. Et tous les démons de cet endroit, ils étaient où? Sous nos pieds. Il nous donnera les nations plus puissantes et plus fortes que nous. Dieu les avait soumis à notre contrôle. Si tu t'attaches à Dieu, Dieu soumettra les démons à ton contrôle. Les démons de tes dormis des fois, c'est parce que toi aussi tu ne peux pas non plus beaucoup plus t'attacher à Dieu. Attachons-nous à ta attache. Cette année, attachons-nous. Serrons la ceinture. Advienne qui pourra. Cette année, on va malmener dans les camps de l'ennemi.
Même si l'ennemi se lève comment, on va s'expliquer de tout nos mieux pour le mettre encore par terre, parce que Dieu nous a donné la promesse. Ceux qui s'attachent à Dieu, on s'attache à lui. Amen. On nous dit encore, nul ne tiendra contre toi. Écoute, nul ne tiendra contre toi, nul. Même qu'il soit grand, que ce soit un Goliath, il ne tiendra pas devant toi. Que ce soit un Sisera, il ne tiendra pas contre toi. Que ce soit Sambalat, il ne tiendra pas contre toi. Que ce soit Tobija, il ne tiendra pas contre devant de toi. Nul ne tiendra, même si ce soit une armée, ça ne tiendra pas devant de toi. Tous ces démons-là de Guatemala n'ont pas tenu devant nous. Alléluia. Parce qu'on s'était attaché à l'Éternel. Attache-toi. Les démons de ton village-là, ils ne pourront pas tenir devant de toi. Quand tu viens avec force, parce que tu es attaché à Dieu, Dieu va les livrer entre tes mains. Ils vont tomber sous ton pouvoir au nom de Jésus. Laisse-le que tous ceux qui étaient en train de te contrôler tombent sous ton pouvoir au nom de Jésus. Que nul ne se tienne devant de toi. Si c'est l'incrédulité de ta famille, l'incrédulité de ta femme ou de ton mari, l'incrédulité de tes enfants, l'incrédulité de ceux de ta famille, laisse-le que ça tombe au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la puissance. Parce que Dieu a dit, lui ne tiendra devant de toi. Les sorciers, les professeurs méchants là, ils ne tiendront pas devant de toi. Ils ont déjà joué de plusieurs personnes et pas à toi. Les grands sorciers de votre quartier, ils ne tiendront pas devant de toi. La puissance de la sorcellerie qui agit dans ta famille, ça ne tiendra pas devant de toi parce que toi tu as mis l'autorité. Parce que tu t'es attaché à l'Éternel. Ils tiendront pas. Ils tiendront pas. Dieu est avec toi. Quand Dieu sera compté sur lui. Aie confiance à lui. C'est un avantage. Il faut que tu saisis ton avantage. Ne le perds pas. Quand tu travailles dans une entreprise et que tu as les avantages, va chercher tous tes avantages. J'avais une carte de Costco, je ne savais pas que j'avais des avantages là-dessus. Il fallait même que je puisse profiter de certains services, par exemple, achat de l'essence, achat de certaines choses. Je ne savais pas. Mais j'ai payé cher pour cette carte-là. Un jour, on commence à m'expliquer. J'ai dit, Abraham, tu connaissais tout ça? On avait même les couvertures de la dentelle, on ne les savait même pas. J'ai dit, regardez-moi. On a perdu, on payait chaque année. Nous, on allait seulement acheter les choses à Costco, c'est moins cher. On achète. Mais les avantages, on ne profitait pas. Et ça, c'est que tu profites tous tes avantages au nom de Jésus. Profite des avantages. Amen. Nous devons chercher nos avantages et les saisir. Nul ne tiendra devant de toi. Il faut que tu puisses arriver à contrecarrer tous tes ennemis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dépendra la faveur et la crainte de toi sur tous les pays et tu marcheras tête haute. Alléluia. L'Éternel répandra la faveur. Laisse à ce que la faveur t'accompagne. Que Dieu répande la faveur partout. Et la crainte de toi au devant de tes ennemis. Ceux-là qui te craignent, qui te combattent, qui te détestent, ils vont te craindre. Et d'autres personnes, ils vont t'aimer de façon extraordinaire. Ils vont te rendre tout service que tu voudras. Que Dieu t'accorde cette faveur au nom de Jésus. Qui commence même à parler aux gens en ta faveur. Tu arrives quelque part, tu connais personne, mais Dieu parle déjà pour toi. Avant que tu fasses quelque chose, Dieu a déjà tout arrangé. Et ceux-là qui vont vouloir te résister, s'opposer à toi, ils vont commencer à te dire, lui il est bizarre, hein? Tout le monde l'apprécie. Peut-être si j'ose ici, ça va mal finir. S'il veut parler à une personne, il dit, l'autre va me détester pour rien. Il garde ça pour lui-même. Il veut avancer, il dit, je ne vais pas avancer parce que je vois que l'autre me regarde mal. Dieu va faire assez que ces gens-là te craignent. Tes méchants là, ils te craignent, ils te regardent seulement comme ça, ils commencent à paniquer. Ils te voient seulement, ils commencent à paniquer. Quand tu commences à parler comme ça, et ils commencent déjà à trembler. Et Dieu va t'accorder même la faveur de tes ennemis au nom de Jésus. Même ceux-là qui ne t'aimaient pas, ceux-là qui ne voulaient rien t'étonner, ils vont t'étonner au nom de Jésus. Laisse à ce que tu puisses aller récupérer toutes tes bénédictions entre les mains de tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Que tu récupères même ce qu'ils avaient détenu entre les mains au nom de Jésus. Que tu puisses gagner au-delà de ce que tu pensais que tu vas gagner au nom de Jésus. En t'attachant à l'Éternel, laisse à ce que tes ennemis puissent te craindre. Que tu sois sujet de frayeur pour eux, qu'ils te craignent. Et que Dieu aussi t'accorde la faveur, même la faveur de tes ennemis au nom de Jésus. Les femmes des avantages. On a tout intérêt à s'attacher à Jésus. Il nous fait tellement du bien. Deutéronome 30, verset 20, on nous dit ceci. Dieu va prolonger nos jours, toujours dans les avantages. La prolongation des jours. La prolongation de tes jours. Vous voyez cet homme, il allait déjà mourir. Il était déjà mourant. Ça allait déjà finir pour lui. Mais parce qu'il s'était attaché à son maître, son maître partit plaider auprès du maître encore, de Jésus. Et il a encore trouvé la grâce. Cet homme,
La Bible déclare qu'il a obtenu la guérison. Ses jours ont été prolongés. Ézéchias, il était mourant. Il devait mourir. Mais à cause de s'attacher à l'Éternel, Dieu lui a augmenté 15 ans. Lui qui devait mourir aujourd'hui, encore 15 ans de plus. Alléluia. Pas 2 ans, pas 3 ans, pas 5 ans, pas 10 ans, 15 ans encore de plus. Lui qui était déjà peut-être vieux, mais il a encore bénéficié de 15 ans. Et ça, c'est que Dieu prolonge tes jours. En s'attachant à Dieu, Dieu va prolonger tes jours. Si les hommes avaient dit que tu vas finir par ici, Dieu va encore augmenter au-delà. Si même Dieu avait dit que non, tu vas finir ici, à cause de ma petite que tu t'es attaché, il t'augmente encore d'autres jours. Il prolonge. C'est-à-dire que là où c'était limité, il ajoute. Un ajout. Et ça, c'est que Dieu t'ajoute encore des temps de bonheur au nom de Jésus. Ton temps de bonheur était déjà réduit, mais Dieu va encore allonger ton temps de bonheur, prolonger ton temps de bonheur au nom de Jésus. Ton mariage allait finir ici, Dieu encore augmente encore, que ça soit béni au nom de Jésus. Que tu sois heureux et que tu contemples la grandeur de Dieu. Attache-toi à Jésus. Alléluia. Alléluia. En s'attachant à Dieu, Dieu est capable de changer les circonstances, les situations de ta famille et encore t'augmenter le nombre de jours. Et notre avantage, tu demeureras dans les pays que Dieu n'a pas promis à tes pères. Tu vas demeurer dans les pays que Dieu a promis à tes pères. Il a promis à tes pères les territoires. Toi, tu vas gagner ces territoires-là. Si les gens de ta famille n'ont pas gagné, mais toi, tu gagneras ces territoires-là. Et notre avantage, tu auras le repos. Josué chapitre 22, et versets 4 à 5. C'est aussi un autre avantage, avoir le repos. Vous savez, le repos, c'est quelque chose de très important. Des fois, on peut travailler, mais il faut arriver à un certain moment de prendre un peu de break. Quand tu t'attaches à Dieu, Dieu va te donner aussi le break. Il va te donner le temps de répit pour que tu te reposes un peu. Pour que tu puisses aussi arriver à te régaler. Ce ne sera pas tout le temps que tu vas travailler. Mais il faut qu'il arrive un temps où tu prends en compte aussi des repos. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de combat, tout est beau, tout n'est pas très bien. Ce n'est pas tous les jours que nous allons combattre, ce n'est pas tous les jours que nous allons passer dans les montages, ce n'est pas tous les jours que nous allons combattre, mais il y a aussi des jours où nous pouvons aussi passer quand même dans les repos. Amen. En s'attachant à Dieu, Dieu va nous donner aussi un temps de repos. Dites à ton voisin, un temps de repos, ça s'en vient. Mon frère Marion, un temps de repos, ça s'en vient. Alléluia. C'est pas tout le temps que nous allons pleurer. Il y a un temps où nous allons rire. Et maintenant, il y a un temps pour toutes choses. Non pas seulement le temps de jeter des pierres, mais aussi le temps de ramasser les pierres. Non pas seulement le temps de ramasser des pierres, de recevoir des pierres, mais aussi de recevoir des roses aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un temps de repos, ça s'en vient. Souris un peu, le temps de repos, ça s'en vient. Amen. Il faut que nous soyons arrivés au niveau de jouir de ce que Dieu a préparé pour nous. On s'attache, on va avoir. Même dans une relation, tu t'attaches, tu vas avoir aussi du repos par rapport à cette relation. Quand tu te donnes, il y aura aussi un temps où Dieu aussi va te honorer et il va aussi te glorifier dans ta vie. Amen. Amen. Réussir dans toutes tes entreprises, dans 2 Rois chapitre 18, verset 6 à 8. 2 Rois 18, verset 6 à 18. Tu réussiras dans toutes tes entreprises, un autre avantage. Tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Tu fais ceci, tu réussis. C'est pas que tu fais des choses toujours, ça s'abîme. Tu fais ça, ça s'abîme. Non. Il faut que quand tu t'attaches à Dieu, tu peux toucher même seulement les bennes. Tu prépares les bennes, c'est béni. Tu vends les bennes, c'est béni. Tu élèves une poule, elle est bénite. Cette poule-là, elle va avoir beaucoup encore de poussins. Tu élèves un mouton, et encore les bennes, ça, tout ce que tu vas toucher, ça sera béni. Amen. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Maintenant, les choses, c'est là au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu fais des projets, ça réussit. Tu organises les choses, ça réussit. Tu vas à l'école, tu réussis. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. Dis ta mère. Amen. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tout ce que tu feras, ça réussira. Laisse à ce que Dieu vous fasse réussir cette année au nom de Jésus. En s'attachant à Dieu, que Dieu vous fasse réussir au nom de Jésus. Amen. Un projet que tu organises, ça va atteindre son but et ça va être bien réalisé et ça va avoir du succès. Parce que Dieu est avec toi, tu es attaché à lui. Alléluia.
En s'attachant à lui, on a de quoi. En s'attachant à lui, nous allons réussir dans toutes nos entreprises. Les barbus, il faut que ça soit béni. Alléluia. Je devais attendre le grand amen. Grand amen, et je serai battu. Alléluia. Tu travailles dans une entreprise. Cette entreprise dans laquelle tu travailles, ça va réussir. Joseph est entré chez Potiphar. Toute la maison de Potiphar a été bénie. Même les poules de chez Potiphar, même les fleurs de chez Potiphar, même les jardins potagers, ses légumes, ses laitues, tout était béni. Alléluia. Tout était béni. Ils ont remarqué que depuis que Joseph est arrivé ici, les choses ont progressé. Les choses ont été bénies. À tel point que Joseph a trouvé la grâce aux yeux de Potiphar. Potiphar a établi chef de sa maison. Il n'était plus esclave. Il est devenu comme l'enfant de la maison. Joseph a trouvé la grâce à cause que tout ce qu'il faisait là-bas, ça réussissait. Tout ce qu'il faisait était béni. Toutes ses entreprises étaient bénies. Il est allé même en prison. Est-ce que dans la prison, quelqu'un peut être béni? Il entre dans la prison, il obtient la faveur des chefs de prison, chefs de garde. Regardez cet homme. Même dans sa prison a été béni. Les prisonniers sont arrivés. Les chansons qui servaient le roi. Il a été béni jusqu'à être libéré à cause que Joseph était où? Il était dans la prison. Toutes tes entreprises réussiront. Quand tu es dans une entreprise, cette entreprise va fleurir parce que toi tu es là-bas. Si on te chasse, cette entreprise va venir. Amen. Amen. Cette entreprise dans laquelle tu travailles là est bénie parce que toi tu es là. Les jours où tu partiras, l'entreprise sera même fermée. Amen. Quand ma sœur travaillait à Montréal, elle avait un boss qui était méchant. Un contremaître. Qui était trop méchant à son égard. À chaque fois, dis, toi, tu n'as pas fait beaucoup de production. Parce qu'ils étaient dans la téléphonie. Il fallait avoir toujours, atteindre toujours le sommet. Oh, cette semaine, tu n'as pas atteint les objectifs. Tu n'as pas eu des primes. Les primes, je n'ai pas voulu avoir les primes. J'ai voulu seulement avoir les salaires. Alléluia. Tu n'as pas atteint les primes. Il était tout le temps derrière. Il me disait que je travaille sous pression. Bien sûr que j'ai gagné des primes, mais je suis sous pression. Je commence à sentir mes nerfs. Je risque de craquer. J'ai dit chez chef là, il cherche les problèmes. Soit c'est l'entreprise, soit c'est lui qui va partir. Alléluia. Quelques temps après, l'entreprise a été obligée de fermer. Alléluia. L'entreprise a fermé et le chef a perdu et le Seigneur est rentré ici. J'ai dit bon, ça y est. Pourquoi? Parce que Joseph est parti, l'entreprise aussi a fait quoi? L'entreprise a fermé. À cause de toi, cette entreprise dans laquelle tu travailles, elle est bénie. Et quand tu es rentré ici, tu n'as jamais trouvé le travail pour partir. Tu n'avais pas perdu le temps. Alléluia. Il n'a pas perdu. Mais le chef là, il avait perdu, il avait cherché, il avait perdu gros. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. La compagnie où toi tu travailles sera bénie à cause de toi. L'école où toi tu étudies est bénie parce que toi tu es là. Il n'y a pas aucune crème qui peut tomber dedans. Il n'y a aucune fusillade qui s'y passera parce que toi tu es dedans. Alléluia. Tu es dans cette école là, cette école sera bénie à cause seulement de toi. Là où tes enfants étudient, cette école sera bénie à cause que toi, tes enfants sont là dedans. Et les jours où ils quitteront, ça pourra devenir n'importe quoi. Il faut que nous prions. Parce que nous avons la réussite entre nos mains. La réussite de cette ville de Sherbrooke est entre tes mains, toi. Alléluia. Si tu bénis Sherbrooke, et sera quoi? Et sera béni. Mais si on vient te chasser de Sherbrooke, par force, tu n'as pas de problème. C'est un problème qu'on a dit. Amen. Tu peux regarder une petite personne comme ça, tu dis que la personne n'a même pas d'emploi. Mais à cause de toi seulement, les gens peuvent avoir le problème. À cause seulement de toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu t'es attaché à l'Éternel. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tu ne seras plus assujetti par tes ennemis. C'est-à-dire que tu ne seras plus sous le contrôle de tes ennemis. Tu vas gagner par-dessus les ennemis. Tu vas aussi battre tes ennemis. Un autre avantage, tu vas battre tes ennemis. Ils jouent, tu les bats. Ils viennent te combattre dans la prière. On ne combat pas physiquement. Oh, l'apôtre nous a dit qu'on vient nous battre, on le bat. On battra nos ennemis. Je vais aller les battre. Non, 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 non. Tu passes même à plier les manches. Ils viennent t'attaquer, tu te mets à genoux. Alléluia. Si tu envoies le feu, ça va l'éteindre. La terre. Si tu envoies les potes, ça va atteindre. Lui te bat physiquement, toi tu te bats à genoux.
Alléluia. Tu battras tes ennemis. Tu arrêtes leurs œuvres et ça va s'arrêter. Tu arrêtes leurs manœuvres, ça va s'arrêter. Tu arrêtes leur influence, ça va s'arrêter. C'est toi qui as l'autorité. Le point suivant. Ravager le territoire de tes ennemis. Tu vas ravager le territoire de tes ennemis. Alléluia. Caractéristique de celui qui s'attache à l'Éternel. Ça, je vous donne rapidement et puis on va prier tout de suite. Caractéristique de celui qui s'attache à l'Éternel. Une personne qui s'attache à l'Éternel, comment est-ce qu'il doit être? Son caractère. 1. Obéir à l'Éternel et ne se détourner pas de ses commandements. Obéir à l'Éternel et ne pas se détourner de ses commandements. 2 Rois 18, verset 6. Obéir à l'Éternel et ne pas se détourner de ses commandements. Donc une personne qui s'attache à Dieu, il est obéissant à l'Éternel et il respecte les commandements, les règles. Même dans la maison, tu dois respecter les règles pour arriver à t'attacher. Deuxième point, il fait confiance à 100% à Dieu, son maître. Il fait confiance à Dieu à 100%, Dieu qui est son maître. 2 Rois 18, verset 5. Il fait confiance à 100% à Dieu. 3. Ne pas se mêler avec les nations qui sont près de toi. Donc tu ne peux pas te mêler avec les nations du monde. Ne pas se mêler avec les nations qui sont près de toi. Josué 23, verset 7. Josué 23, verset 7. Ne pas se mêler avec les nations qui sont près de toi. 4. Ne pas prononcer le nom de Dieu étrangers. Ne pas prononcer le nom de Dieu étrangers. C'est-à-dire que tu ne peux pas adorer d'autres dieux. Josué 23, verset 1. Josué 23, verset 1. 5. Ne pas servir d'autre Dieu que l'Éternel. Ne pas servir d'autre Dieu que l'Éternel. Oh, tu es avec Dieu et après tu vas aller consulter les cartes, tirer les cartes, oh, consulter les signes des zodiacs, consulter l'horoscope, consulter les voyants. Si tu es avec Dieu, reste avec Dieu. Oh, écoutez les coutumes, écoutez les voix des ancêtres, rêvez les ancêtres, non, écoutez, c'est pas Dieu. 6. Observez ses commandements, Deutéronome 13, verset 4. Observez ses commandements, Deutéronome 13, verset 4. 8 et 7. Craindre l'Éternel, tu dois craindre l'Éternel. Tu dois craindre l'Éternel. Deutéronome 13, 4. 9. Obéir à sa voix. C'est 8 ou 5? 8. Obéir à sa voix. Toujours dans Deutéronome 13, verset 8, verset 4. Obéir à sa voix. Celui qui s'attache, il obéit à la voix du maître à qui il s'est attaché. Et puis, 9. Les servir, servir l'Éternel, servir le maître. Deutéronome 13, verset 4. Donc celui qui s'attache à l'Éternel doit servir aussi qui? L'Éternel. Amen. C'était ça, les avantages de celui qui s'attache à l'Éternel. Dieu va te faire de bonnes choses. Il va se glorifier. Il va se manifester. Attachons-nous à Dieu. Nous avons tout intérêt. Dites à ton voisin, nous avons tout intérêt. Surtout moi, j'ai beaucoup d'intérêt. Alléluia. Toi aussi, tu as un intérêt. Amen. Ce n'est pas seulement un intérêt. Nous avons beaucoup d'intérêt. Qu'on s'attache à l'Éternel. Et qu'on le serve de tout notre cœur. Cette année, prenons un engagement, un nouveau départ. De faire mieux les choses. De s'attacher à l'Éternel. Tous ceux qui se sont attachés à l'Éternel, ils ont été des victorieux. Tous les héros de la Bible s'étaient attachés à l'Éternel. Une personne comme David, une personne comme Daniel, une personne comme Shadrach, Meshach et Abednego, dans la fournaise à dents de feu, à dents de pays de Babylone, ils se sont attachés à l'Éternel. David, même devant Salomon, devant Saoul, il s'était attaché à l'Éternel. Si on regarde même ça, c'est qui? Jonathan s'était attaché à David dans leur amitié jusqu'à la mort. Il a accepté même de mourir, mais pourvu qu'il protège son ami qui? David.
qui s'était attaché, et il a été quand même, son fils et Mephibosheth a été béni. Tous ceux qui se sont attachés à l'Éternel n'ont jamais été rejetés par l'Éternel. Abraham s'était attaché à l'Éternel, Dieu l'avait béni. Si on regarde aussi Gédéon, on regarde Josué, ils se sont attachés à l'Éternel, ils ont réussi. Une personne comme Caleb, qui s'était attaché à l'Éternel, il a réussi. Esther, Anne, se sont attachés à l'Éternel. Déborah, se sont attachés à l'Éternel, ont réussi. Attachons-nous à l'Éternel et nous réussirons au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. On se tient debout.